Je sais pas si vous avez vu, mais à des moments, quand je mets la balle sur le micro, elle part bizarrement et du coup je la retire direct. Là, il y avait une grosse partie de la balle qui était partie en avant et généralement j'ai peur quand ça part comme ça. J'ai peur qu'elle explose. Du coup, bah, je l'enlève. Attendez, je vais essayer de le refaire. Bon, là, ça l'a bien fait, mais en plus, ça le fait pas très souvent. Mais dès que ça le fait, généralement, je retire la balle direct. En fait, faut que. Je sais pas pourquoi, dès qu'il y a une grosse partie de la balle qui part en avant, j'ai peur. Non.
vibrer l'arrière du téléphone. Vous entendez un petit peu la différence? C'est vrai que c'était... Ah non, bah oui, quand il est éteint, le bouton, il fait pas de bruit, mais c'est vrai que c'est un iPhone 8, je crois, 8S. Je crois que c'est vu qu'il est... vu que l'arrière, il est... comment on dit? Il y a du reflet, du coup, ça, je crois que c'est un 8S. Vu qu'il y a du... Attendez, mon œil, il pleure tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est bon. Je sais pas pourquoi mon œil, il avait envie de pleurer. Ouais, je suis comme toi. Faire le scotch parce que je vous l'ai dit en début de vidéo.
Au fond de la caisse, et là quand je la déplie, regardez, elle est plus trop droite.
Antibiotique. Non, c'est un peu...